Bonjour chers amis, je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous méditons ensemble la parole de Dieu dans votre émission Je médite. Je vous encourage, bien-aimés, surtout je vous invite à vous abonner sur Maranatha Télévision via les réseaux sociaux. Avant de commencer notre méditation, nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur Dieu de gloire, je viens encore, ô mon Dieu, en ces jours de méditation, nous recommander entre tes mains, Seigneur, ceux-là qui nous suivent en ces moments, dans cette émission, je médite, Seigneur, permets, ô Dieu de gloire, que nous puissions comprendre ta parole. Saint-Esprit, conduis ces moments. Saint-Esprit, que tous nos cœurs soient tournés vers toi pendant ce temps. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Conduis-nous pendant ce temps. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, au nom puissant de Jésus. Amen. La lecture du jour bien-aimé se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 15 au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas enfin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit des prédicateurs de l'Évangile. Parole du Seigneur. Bien-aimés, par ces versets que nous venons de lire, au verset 15 surtout, l'apôtre Paul dit « Il préfère mourir que de ne pas annoncer l'Évangile de Dieu. » Donc, pour lui, il disait « Ce n'est pas à cause de l'argent qu'il prêchait l'Évangile, mais c'était au fait pour exercer son ministère. » L'évangile était sa vie, au fait. Il ne voulait pas que les gens pensent que s'il prêche l'évangile, c'était pour l'argent. Non. C'était plutôt à cause du ministère qu'il faisait pour le Seigneur. Et on nous dit, vers la fin du verset, enlever ces sujets de gloire. Quand l'apôtre Paul parle de gloire, ce n'était pas pour se glorifier parce qu'il prêchait l'évangile, non. Au fait, quand il parlait des sujets de gloire, pour lui, au fait, c'était une véritable joie qu'il éprouvait quand il prêchait l'évangile. Au fait, son cœur était tout joyeux quand il prêchait la parole de Dieu. Donc, au fait, ici, quand on parle des sujets de gloire, pour l'apôtre Paul, il parlait d'une joie qu'il éprouvait, au fait. Ici, c'est une joie qui est partagée quand il prêchait la parole de Dieu. Et non l'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui prêchent la parole de Dieu, qui sont orgueilleux. Quand il tient les micros, il veut que tout le monde voit que c'est lui qui parle de Dieu, que c'est lui qui connaît la parole de Dieu, que c'est lui qui sait prêcher. Mais non, ici, l'apôtre Paul n'était pas orgueilleux. Mais c'était pour lui une joie de parler de l'Éternel. Il voulait que les gens voient cette joie-là qu'il avait, qu'il éprouvait quand il prêchait l'évangile de Dieu. Au verset 16, on nous dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Au fait, l'apôtre Paul était dans un état de détresse, dans un état de peine, s'il ne prêche pas la parole de Dieu. Au fait, c'était primordial pour lui la parole de l'évangile, c'était primordial. Donc s'il ne prêche pas la parole de Dieu, c'est comme si quelque chose qui manque, il devait absolument apporter la parole de Dieu. Est-ce que c'est de même pour nous aujourd'hui? Est-ce que la parole de Dieu est primordiale pour nous? Est-ce que nous, dans nos pensées, nous voulons absolument partager la parole de Dieu? Nous voulons absolument partager l'évangile avec les autres? Je ne pense pas. Et au verset 18, on nous dit, « Quelle est donc ma récompense ?» Mais nous avons eu la réponse dans la suite. Il a dit, « C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit des prédicateurs de l'évangile. » Au fait, pour lui, une récompense, sa récompense, c'était le privilège qu'il avait de prêcher la parole de Dieu gratuitement.
C'était sa récompense. Il se disait, ma récompense à moi, c'est d'apporter ce privilège-là que j'avais, que j'ai, d'apporter la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce que nous aussi aujourd'hui, nous nous disons la même chose, que notre récompense doit être le privilège, ce privilège que nous avons d'apporter l'évangile de Dieu. Même l'apôtre Paul dit dans sa parole, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. En tant qu'imitateur de l'apôtre Paul, bien-aimé aujourd'hui, que la parole de Dieu doit être primordiale pour nous aussi. Nous devons apporter la parole de Dieu à ceux-là qui ne la connaissent pas. C'était là notre sujet de méditation. Et là, nous sommes à la fin de notre méditation, bien-aimés. Nous avons appris que la parole de Dieu doit être primordiale pour nous. Nous ne devons pas nous enorgueillir quand nous prêchons la parole de Dieu. Nous devons éprouver cette joie que l'apôtre Paul éprouvait d'apporter l'évangile. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à la parole que nous venons de méditer aujourd'hui, par rapport à l'évangile de Dieu qui doit être primordial pour nous. Nous devons penser dans nos pensées, avoir cette joie d'apporter la parole de Dieu à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Si vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés, est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole, Seigneur. Dieu de gloire, tu nous as appris aujourd'hui, ce mardi, que la parole de Dieu doit être primordiale pour nous. Nous devons avoir la joie, Seigneur, d'apporter la parole de Dieu. Laisse que cette parole, ô mon Dieu, puisse être ma prière encore. Que je puisse éprouver de la joie, Seigneur Jésus, à apporter ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus, à mettre cette parole en pratique. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous invite demain pour la suite de notre méditation. Et je vous invite, bien-aimés, à vous abonner sur notre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite également, bien-aimés, à vous abonner sur notre Web TV, sur YouTube et donner votre point de vue. Soyez bénis. À demain, que le Seigneur vous bénisse.